Bonjour et bienvenue à notre troisième émission. Aujourd'hui, grâce à la collaboration de Câblevision Val-d'Or, nous allons rencontrer un psychoéducateur et son invité, une joueuse de billard professionnelle qui a trouvé dans l'hypnose une réponse efficace pour améliorer sa concentration. Nous vous présenterons, comme d'habitude, Cornelia, notre chroniqueuse, les reportages de la rue, le témoignage d'un cheminement vécu suite à des rencontres avec un hypnologue. Pour terminer, Noël Delcourt continue son enseignement de l'auto-hypnose avec le troisième exercice de la série. Une agréable demi-heure sans commercial. Alors, restez avec nous. Sans plus tarder, je vous présente notre premier invité de Val-d'Or, Monsieur André Noël, psychoéducateur et hypnologue, membre de l'Association des hypnologues du Québec. Qu'est-ce qu'un psychoéducateur? En fait, un psychoéducateur, c'est quelqu'un qui a une formation universitaire. C'est majoritairement concentré dans des cours de psychologie et on est des spécialistes des comportements humains. Donc, à partir des observations qu'on fait de l'être humain, on peut en déduire quels sont ses problèmes et suggérer les moyens d'intervention adéquats pour régler ces problèmes à ce moment-là. Et pourquoi vous avez choisi d'étudier l'hypnothérapie alors que vous êtes psychoéducateur de profession? Ça a commencé quand j'étais à l'université. J'ai commencé à regarder un petit peu tout ce qui se faisait au niveau de l'hypnose par curiosité. Donc, j'ai découvert là-dedans que c'est un moyen efficace d'intervention et une intervention à court terme. Donc, j'ai commencé à étudier plus en profondeur l'hypnothérapie. Et présentement, ce que je m'aperçois, c'est que je peux régler des difficultés ou des problèmes beaucoup plus rapidement que par une autre technique. Et qu'est-ce que l'hypnothérapie apporte de plus lors de vos consultations? Je pense que une des forces de l'hypnose, c'est peut-être d'avoir accès à l'inconscient. Par des techniques d'hypnose, on peut arriver à aller travailler au niveau de l'inconscient des gens, là où sont emmagasinés un bagage d'informations qui nous permet souvent de comprendre un peu mieux les problèmes de la personne. Donc, en agissant sur l'inconscient, on obtient des résultats beaucoup plus rapidement que par les techniques traditionnelles de thérapie. Est-ce qu'il y a des problèmes qui se règlent plus facilement grâce à l'hypnothérapie? Effectivement, dans ma pratique, j'ai observé... En fait, je serais porté à dire presque tous les problèmes se règlent plus rapidement par l'hypnose, à l'exception de quelques-uns. Mais prenons par exemple les peurs, les phobies. Quelqu'un qui a peur d'une seringue, qui a peur de prendre l'avion, qui a peur de l'eau, ça, c'est des problèmes qui se règlent très facilement en hypnose. Il y a aussi toutes les victimes de traumatismes. Donc, on parle d'agression, soit à main armée, de violence, de viol. Toutes ces choses-là aussi se règlent beaucoup plus facilement et rapidement que par des techniques traditionnelles. Et là, on peut augmenter l'éventail énormément. Donc, au niveau des gens qui font de la compétition, qui veulent de meilleures performances intellectuelles ou physiques, c'est encore un excellent moyen rapide. Les gens qui veulent contrôler leurs douleurs, les gens qui souffrent de douleurs chroniques arrivent à contrôler leurs douleurs pour que ce soit tolérable. Donc, il y a un paquet d'applications là, qu'on peut faire en hypnothérapie. Puis, est-ce que l'étude de l'hypnothérapie est accessible dans votre région? Il y a quelques années, non. Maintenant, oui, c'est accessible en Abitibi. Je viens d'ailleurs de partir en affaires, si on peut dire, avec l'Institut d'hypnothérapie André Noël. Donc là, on peut suivre des cours de formation en hypnose de base pour le public en général, des cours d'auto-hypnose et aussi pour les spécialistes en relation d'aide déjà, donc psychologues, travailleurs sociaux, infirmières, médecins, dentistes. Maintenant, les cours sont offerts en région. Avant, il fallait continuellement aller en dehors de la région. Le plus près, c'était à Montréal pour suivre de telles formations. Maintenant, ça va être accessible ici aussi et au niveau de la consultation privée également.
Pour quelle raison avez-vous décidé de consulter M. Noël en tant qu'hypnologue? J'ai décidé de consulter un hypnologue parce que ça fait 15 ans que je joue au billard. J'ai toujours évolué dans la classe masculine en Abitibi. La classe féminine au Québec n'est pas tellement populaire, tandis qu'aux États-Unis, ça devient de plus en plus populaire. Il existe aux États-Unis le Pro Tour américain. C'est un circuit qui est nord-américain qui regroupe les 48 meilleures femmes en Amérique du Nord. Puis pour avoir accès au Pro Tour américain, il faut gagner une classification. Les classifications ont lieu une fois par mois aux États-Unis. Puis avant d'aller faire une classification, j'avais des points que je voulais améliorer parce que j'ai dit, pour aller là-bas, performer très bien, aller gagner. Fait que je voulais améliorer ma concentration, ma nervosité, contrôler ma nervosité, enlever les superstitions que j'avais. J'avais plusieurs superstitions, je voulais éliminer ça. Puis je voulais augmenter ma confiance en moi aussi. Puis avez-vous constaté des changements suite à votre première séance d'hypnose? Oui, dès la première séance, comme pour ce qui est de mes superstitions, ça a parti totalement. Quand j'entends le mot superstition, j'associe ça au mot ridicule à cette heure-là, ça a parti. Puis comme pour ma concentration, c'est de plus en plus fort. Je me laisse plus influencer par le monde autour de moi. Est-ce que ces changements-là sont demeurés permanents? Ça a toujours continué. C'est parce qu'en n'ayant plus de superstition, ma concentration est à 100% sur mon jeu. Fait que quand ta concentration est bonne, tu as le parfait contrôle. Donc, mon jeu il est parfait. Ma confiance en moi, elle augmente et ma nervosité, elle diminue. Est-ce que vous continuez d'utiliser l'hypnose pour améliorer vos performances? À chaque jour, je me sers de soit l'hypnose ou de l'auto-hypnose pour améliorer mon jeu. Parce qu'au point où je suis rendue, je ne peux pas arrêter ça là. C'est comme n'importe quoi, il faut de la pratique. Puis c'est ça, en auto-hypnose, bon, mais c'est de la préparation mentale. Je fais de la visualisation avant mes matchs. Après mes matchs, je regarde quelle erreur que j'ai faite pour corriger. Fait que à chaque jour, là, je me sers de plus l'auto-hypnose. L'hypnose, je savais que ça. Je croyais à ça, je savais que ça marchait, sauf que aussi rapidement que ça, ça m'a surpris. Parce que quand tu dis que tu as des superstitions, ça fait peut-être 10 ou 15 ans, tu es superstitieuse pour à peu près n'importe quoi. En l'espace de une heure, c'est complètement disparu. Puis pour ce qui est de mon jeu, c'est que j'ai fait plusieurs tournois après avoir rencontré un hypnologue. Puis mes performances y ont toujours augmenté. Par exemple, aux États-Unis, j'ai participé à 4 classifications. J'en ai gagné 3 sur 4. Merci à André Noël et Carole Picard. Bonjour, Cornelia. J'avais demandé aux gens sur la rue à quoi pouvait bien servir l'hypnose, mais avant d'écouter leurs réponses, j'aimerais savoir ton opinion. L'hypnose a un champ d'activité très diversifié. On peut soulager des douleurs, on apprend aux gens à changer des comportements qui sont indésirables, à améliorer leurs relations interhumaines, et à se dépasser, à trouver des ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour se surdépasser. C'est bien tout ça, mais est-ce que tu pourrais élaborer un peu? Oui. Je parlais d'aider les gens à soulager leur douleur. Et des fois, la douleur aide parce qu'elle est un signal d'alarme et nous aide à voir qu'on doit opérer des changements et qu'on doit voir des choses dans notre vie. Et je me rappelle le cas d'une infirmière qui était venue me voir pour suite à une séparation. Et à un moment donné, durant les séances, elle est arrivée un jour avec une douleur à son doigt. Elle m'avait dit, tu sais Cornelia, aujourd'hui je ne pourrais pas travailler parce que mon doigt me fait terriblement mal et je ne pourrais pas me concentrer. Malgré tout, elle a réussi à entrer en transe et je lui ai posé la question. Qu'est-ce que tu penses maintenant de ton doigt? À quoi te fait-il penser? Et elle m'avait répondu que ça l'a fait penser à sa mère qui avait une même déformation au même doigt et qui était apparue pendant qu'elle était adolescente.